Hello, hello, comment ça va ce matin? Je vous épargne ma tête, j'ai un mal de tête pas possible. Mais c'est pas grave, je voulais absolument vous faire des vidéos ce matin, puisque monsieur n'est pas là. Voilà. Donc, on va faire les atécoins bleu et argent. C'était le défi, le deuxième défi du groupe série. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire la troisième ensemble. Donc, pour se faire cela, j'ai utilisé l'ampoule qui vient de l'encre et l'image, les textures graffiti. Donc, l'ampoule qui est ici. Et j'ai utilisé le rond ici pour mettre dans le fond. Voilà. Donc, hop, il restera que le rond à tamponner puisque l'ampoule, je l'ai déjà faite. Voilà, engaussée en gris, argenté. Donc, c'est celle-ci. Le petit sentiment en Memento Panama Blue. Bahama Blue, pardon. Je vous ai dit, hein, j'ai mal au crâne. Donc, je vais réutiliser la poudre embossée puisque mon rond sur le fond est embossé aussi en gris argenté. Ensuite, pour le contour, j'ai utilisé ce feutre-là, donc le Peppermate turquoise. Ensuite, un tout petit bout de fil. Donc, la Versamark pour embosser. Sur le fond, j'ai utilisé les couleurs Faded Jean, Stormy Sky et Broken China pour faire mon fond bleu. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, bah, le Bahama, je peux le ranger puisque ça y est, j'ai déjà tamponné. Donc, hop. Hop, je vais commencer par le plus foncé. Donc, je mets un peu plaque, voilà. Hop, j'en mets un petit peu ici. Je vais venir prendre de l'eau. Je vais quitter. Je vais prendre un plastique. Et je vais venir déposer sur mon fond. Donc je pense que je vais garder le même principe que sur les premières. Hein. Pas de jaloux. Hop. Et voilà. Donc mon chiffon a disparu. Et mes ampoules ont été tamponnées donc sur un papier de vieux livre que je dois avoir gardé dans le coin, voilà, sur lequel j'avais ramassé, voilà. En fait, j'ai récupéré l'encre, j'ai mis sur le vieux livre et j'ai tamponné mes ampoules après une fois que le papier était bien sec, voilà, pour garder une cohérence quand même. Donc là, on va attendre que ça sèche un peu. Ensuite, je vais prendre du papier bulle. Alors, le papier bulle, je l'avais, mais comme j'arrête pas de tout bouger, je l'ai plus. Il est là. Il est là. Hop, je vais faire pareil avec la Stormy Sky. Pardon. Avec mon papier bulle. Voilà. Un café, histoire de faire passer le mal de tête, puisqu'il paraît que la caféine, ça aide. Hein. On va tester. Hein. Hop. Donc, il faut que ça sèche un petit peu. Hop, c'est pas sec. Pourtant, il faut que ça soit bien bien sec parce que après comment ça s'appelle, je dois embosser par-dessus, donc il faut vraiment que le fond soit sec sec.
On va l'aider un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Je vais faire le broken china. Par contre, là, je vais juste faire le contour à la mousse. Faire ressortir le côté un peu bleu quand même. Et puis, pourquoi pas, on va mettre... Hop. Hop. Je veux juste un tout petit peu, donc je vais pas en mettre 3 tonnes. Ça sert à rien. C'est juste pour avoir quelques gouttes, en fait. En bas. Dans le fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire... Hop, comme ceci, voilà. Et voilà, histoire d'amener un petit peu bleu du contour sur le devant. On va prendre le, je vais prendre le heat gun histoire de bien le sécher et donc de faire après l'embossage à chaud. Et voilà. Donc pour faire l'embossage à chaud, il va me falloir déjà, toi tais-toi, t'as rien demandé, un bloc acrylique, le tampon. Donc là, en l'occurrence. La forme ronde, voilà. Je vais donc venir prendre la Versamark, en mettre bien partout. Voilà. Que je viens retamponner donc sur le fond, donc là où on a envie de le placer. Donc en l'occurrence, moi c'est aléatoire, c'est comme je le sens. Voilà. Je vais mettre de la poudre. Je mets ma feuille. Voilà. Je vais venir mettre de la poudre en espérant que ça a bien, bien marqué. Parce que je n'ai pas vérifié mon tamponnage comme mon nouille. Donc. Yes. Sauf que il y a des endroits où la poudre est restée. Hop. Voilà. Je récupère ma poudre. Pardon. Hop. Hop. Je vais pouvoir ranger. Je vais venir passer. Alors, du coup, hop, sur mon rond, je vais venir passer le heat gun. Afin que la poudre soit embossée. Voilà. Hop. Et il est presque terminé déjà. A tout de suite. Et voilà le résultat. Donc ça brille. On va venir s'occuper de nos petits éléments. Donc, à savoir tout ça. Hop, je viens découper donc, mon ampoule. Mon hello, un petit peu mieux que ça quand même. Voilà. Je vais venir ancrer le hello sur les bords. Donc, je garde forcément la broken china pour garder un ensemble cohérent. Voilà. Je vais venir le placer comme ceci, je pense. Il me manque le petit bout de fil. Voilà. Tac, tac. Hop, je sais pas, moi je vais le mettre comment. Je l'ai peut-être fait plus grand que d'habitude, bon, c'est pas grave. Il sera plus grand que sur les autres et puis c'est tout. Hop. Donc je le mets un petit peu en haut. Hop. Hop. Ouais. C'est un petit peu plus grand quand même.
c'est pas très grave. Voilà. Donc on vient coller tout ça. C'est parti. Vous avez vu, hein, je n'ai pas mis mon temps pour une fois. Parce que là, on a presque terminé notre attécoin. Je la vois par là, moi. Pour le fil. Avec une pointe pour l'instant, parce que de toute façon, l'étiquette va être collée par-dessus. Donc, ça ne devrait plus bouger. C'est vraiment histoire de... Voilà. Hop. Alors, elles sont plutôt simples, hein, mes attécoins, là. Mais je les aime bien. Voilà. Pardon. C'est pas les plus compliqués que j'ai fait, mais je les aime bien. Voilà. Il n'y avait pas de thème. Donc je viens faire mon petit contour. Un peu espèce de fausse couture pour rappeler un peu le fil. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, du coup, on a nos trois attécoins de prête. Voilà. Sur le même principe. Voilà, voilà. Alors, la seule chose, c'est que celle-ci, je ne l'ai pas colorisée en argenté. Alors qu'ici, oui. Je ne cherchais pas à comprendre. C'est pas très grave, mais je l'aime bien comme ça en fait. Voilà. Je vais peut-être venir mettre du coup des straps. Oui, ton bleu, ça serait peut-être pas mal. Je regardais si je mettais ce qu'un strass de mes perles. Finalement, j'ai attrapé ma boîte de strass. Et on va regarder ce qu'on peut mettre. Alors, parce que argenté, j'ai pas vraiment. Ou alors, ce serait des blancs. Donc, non. Donc, non. Hop. Hop, 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 hop. Et ici, elle s'en va. Non, mais où ? Hop. Ouais, mais je vais en mettre qu'une, en fait. Parce que plus, ça ferait peut-être beaucoup. Donc, on va en mettre qu'une. Mais sur chaque attécoin. Je voudrais la même couleur, s'il vous plaît. Là, j'ai que du bleu foncé. Et moi, je voulais. C'est pas la couleur que je veux. Alors, pourtant, je les avais triées, mais même à force d'utiliser les boîtes, je m'aperçois que ça tombe un peu partout. Bon, puis il y a différents bleus. Alors, bon, ça va être pas non plus. Celui-là est pas mal. Qu'est-ce que. Que trop foncé, ça va pas aller, ça va pas du tout rappeler les mêmes couleurs que mon attécoin. Donc ça va pas aller. Ah, celui-là peut-être. Non, pas celui-là. J'ai pas attrapé le bon. Là. Voilà. Celui-ci. Voilà. Allez-y. Hop. Ma jumelle qui m'avait dit hier qu'il manquait quelque chose. Voilà ma jumelle. J'ai trouvé. Je vais mettre un strass. Hop. Oui, parce que j'ai préparé des vidéos hier. Parce que j'en ai préparé trois pour aujourd'hui. Pour profiter que monsieur n'est pas là. Donc, du coup, je lui avais montré et elle m'a dit « Il manque un petit quelque chose. » Voilà. Et donc la dernière, et ben cette fois-ci, je vais le mettre par ici. Voilà. Et voilà. Cette fois-ci, je n'y touche plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.